Et bonjour à toutes et à tous, c'est Ushidi45. Alors je regarde si je suis bien normalement, oui. Donc on se retrouve sur la Xbox. Et j'ai envie aujourd'hui de vous proposer quelques petits jeux découvertes. Enfin, notamment un qui m'intrigue un peu. C'est ce jeu-là, Lake, que je suis actuellement en train de télécharger. Ce jeu m'intrigue énormément et j'ai envie de le découvrir avec vous et voir comment ça se passe. Et en attendant le téléchargement, j'aurais également profité de cette vidéo pour vous présenter un autre jeu qui s'appelle Dawn Skipper. Voilà, je vous le présentais à la va-vite, enfin. Vite fait, bien fait. Et après, on filera directement en faisant des petites coupures sur le jeu Lake que je vais découvrir avec vous. Donc là, je vais vous présenter ce petit jeu qui s'appelle Townscaper, qui est une sorte de jeu vraiment super sympa, super cool. Alors pour moi, c'est une sorte de, ouais, c'est une sorte de God Game. C'est vraiment, enfin, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas d'histoire. Voilà, quoi. Alors, tac, voilà, ça fait des trucs pour le moment. Donc on va attendre le chargement du jeu, synchronisation des données pour. Allez, voilà, on va attendre. J'espère que vous portez bien, les gens, en cette fin d'année 2021. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël et un joyeux nouvel an. Malgré qu'il n'y aura pas de feu d'artifice cette année. Voilà. Pour le nouvel an. Bon. Voilà. Donc avant de vous présenter l'autre jeu qui est en train de se télécharger, je sais pas. Voilà, je télécharge aussi Tropico 5 qui était sur le Gold Live. Ouais, c'est ça, il était gratuit sur le Gold Live. Gold Live. Hein, prenez pas ce mot que je prononçais. Alors vas-y, s'il vous plaît. Je connais bien des petits coquins qui vont penser à autre chose. D'ailleurs, Among Us, ouais, je l'ai pris parce que Among Us, c'est vraiment bien comme jeu. Après, en ce moment, le jeu est moins, enfin, est moins populaire, je trouve. Ce que je voulais voir, c'était de regarder, avant toute chose, si le Tropico 5 était là-dedans aussi dans le Game Pass. Voilà, vous avez le GTA San Andreas qui est sur le Game Pass. J'ai envie de vous dire, c'est pas un bon jeu, quoi. Enfin, il est décevant comme jeu, quoi. Il est décevant. Et même, je pense que les autres jeux, enfin, voilà. J'ai pas aimé le remake de GTA San Andreas. Donc j'avoue que j'ai préféré la version PS2. Donc je voulais voir si Tropico 5 était là-dedans. On est dans l'été. The God Life. Good Life, ça. Voilà, il y a celui-là, là. The Hunter, là, ça c'est bien. Il y a Train Sim World, Ah, il y a le Tropico 6. Il y a le 6. Mais le 6, je l'ai déjà en boîte, donc ça m'intéresse pas. Bref, on va aller du coup sur notre jeu actuellement. Donc c'est Townscape. Donc Townscaper, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est un petit jeu dans lequel bah, vous faites ce que vous voulez. Alors, voilà. Donc c'est un truc comme ça. Alors. Merde. Ah merde. J'espère que vous. Ouais, parce que je filme avec mon téléphone sur l'écran de la Xbox. Avec l'application. Alors donc on va faire un nouveau truc. Voilà. Donc, Townscaper, c'est un jeu où vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire plein de routes, des places. Voilà. Vous vous amusez comme vous voulez. Tac, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez construire des maisons, des bonnes vieilles tours. Voilà. Voilà. Ça fait une sorte d'église. Non, peut-être pas, mais voilà, ça fait une. Comme ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, faire autre chose, voilà. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Ce jeu est très bien, franchement, c'est amusant à faire. Il est sur le Game Pass, il me semble. Ouais. Il est sur le Game Pass de la Xbox One. C'est vraiment un bon petit jeu. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez rien à faire, vous créez les maisons, voilà, des tours, des places. Alors, petit problème de jeu, c'est que si vous voulez avoir un but, bah, ce jeu, il n'y a pas de but du tout, donc c'est pas ce qui peut vous intéresser. Moi, je m'en fous. Mais c'est vrai que le fait qu'il manque de la vie dans le jeu, c'est ça que je trouve ça dommage. Alors, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, le gros point négatif, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu de vie à faire. Enfin, pas que construire et tout ça, j'aurais aimé qu'il y ait des PNJ, enfin des gens, des PNJ, de la vie, quoi, tout simplement. Là, on est en train de faire ce qu'on veut, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer la couleur, tac, vous pouvez passer du bleu et tout. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire des ponts avec les maisons, des sortes de parcelles comme si vous étiez dans un port avec des maisons. Et voilà quoi. Et voilà. Donc voilà, je vous ai présenté ce petit jeu. Voilà, je pense pas qu'il vous plaira tant parce que ça n'a aucun but et c'est ça le problème de ce jeu. Mais il est kiffant à faire en fait. Voilà. Si vous voulez passer un petit moment dessus, pour ceux qui ont la Xbox One, il est sur le Game Pass. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tac. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout simple. Je regardais. Ah, tiens, on va aller juste voir le fil d'attente et j'aimerais bien qu'on télécharge lui en premier. S'il vous plaît. Installez maintenant. Ouais, bref. Donc, je vais vous faire une petite coupure le temps que Lake se télécharge. Entre-temps, je vais peut-être regarder quelques vidéos Let's Play si ça existe. Bah, du jeu en question qu'on va découvrir ensemble parce que là du coup c'est une simple découverte parce que moi ce jeu là donc ce Tomescaper je le connaissais déjà avant il y avait Billy comment il s'appelle Billy Silverlight quelque chose comme ça qui en avait fait une vidéo je sais pas si Danfield il en avait fait un il me semble pas j'ai pas vu de vidéo de Danfield sur ce jeu. Mais voilà, c'est un petit jeu tranquille, sympa. Bon, voilà, on s'ennuie assez vite, le problème. C'est ça le gros problème de jeu, c'est qu'on s'ennuie assez vite. Mais voilà. Il est kiffant à faire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez. Voilà. Créer des tours. Hop. You. Alors, très difficile à contrôler. Dommage. Tac, on va essayer de faire un truc. C'est infini, hein. C'est infini, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, on a fait une grosse tour. Et voilà. Voilà la grosse tour. Qui fait, je sais pas, enfin, peut-être plus grand que peut-être la tour Eiffel ou. Les plus grandes tours du monde, je sais pas, peut-être pas. Hein. Et voilà, elle est assez grande. Bref. Donc, je vais couper la vidéo, enfin, je fais une petite coupure, on se retrouve sur le jeu que je souhaite découvrir avec vous. À tout de suite. On est retour sur la console, sur le jeu en question que je vais vous présenter. Alors, je vais lancer le jeu une première fois avec vous, mais du coup. J'ai eu des interventions parentales qui fait que bah voilà, ça m'a gaspillé la vidéo et ça m'a saoulé. Merci beaucoup mes parents, mais bon. Donc on va reprendre du coup bah, le jeu. Malheureusement, je l'avais déjà lancé. Voilà, c'est dégoûtant. Voilà. J'espère qu'ils vont pas encore intervenir. Parce que là, je suis en vidéo et j'aimerais bien finir ma vidéo en fait, si vous voulez. Donc alors, Lake, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de livraison de. C'est un jeu de la poste en fait. Vous travaillez auprès de la poste et vous faites des livraisons de colis, de courriers, etc. En fait, vous faites une tournée de la poste. Alors, ça va peut-être être répétitif, je le sais. Mais en tout cas, le jeu graphiquement est très très beau.
J'ai vu une petite vidéo sur la chaîne de Docteur House, quelque chose comme ça, sur le jeu. Et le jeu m'a l'air d'être vraiment sympa. Donc heureusement, ça m'a reparti à zéro. Mais on va lancer le jeu pour la première fois. Parce que du coup, j'y ai pas encore joué. Mais j'ai lancé juste le générique du jeu. Donc voilà, donc le jeu, je le trouve très beau graphiquement. L'idée est super sympa. En plus, le faire autour d'un grand lac, à la campagne, c'est encore mieux. L'environnement qu'ils nous ont donné à faire est encore mieux. Lake, c'est lake en français, donc du coup, c'est autour d'un grand lac, donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Lake. Donc, on va attendre le chargement tranquillou. Et on est parti. Donc j'espère que cette vidéo sur les deux jeux en question que je vous présente vous plaira. C'est le principal de la vidéo. Parce que c'est vrai que les anciennes vidéos gameplay c'était sur Forza Horizon 4. Et j'avais fait que ça. Du Forza Horizon 4. Heureusement qu'il y a l'application Xbox qui existe, comme ça je peux faire la vidéo sur la Xbox via mon téléphone. C'est pour ça que je peux faire ce genre de vidéo. Donc on va attendre le chargement. En négatif, le chargement est un petit peu long, mais ça devrait le faire. C'est bientôt fini, il me semble. Voilà. Alors. C'est ironique. À célébrer le travail, mais je suis soulagé qu'on ait tenu les délais. Je suis contente de pouvoir. Ah oui, donc on est une femme. Voilà. Le téléphone sonne. Allô? C'est Steve, je ne te réveille pas. Je viens de rentrer et je voulais savoir ton nom. Donc j'ai un peu vu les scénarios. Est-ce qu'on peut... On peut pas zapper malheureusement. C'est pas grave. Groupe Top Mic, Mike. Je sais pas si vous entendez suffisamment bien le jeu. Alors j'espère qu'il n'y aura pas un écho du jeu. Parce que ça serait problématique. En tout cas, ce jeu a l'air d'être vraiment bien, c'est pour ça que j'ai envie de le tester. Donc j'ai vu comment ça fonctionnait hein, avec via la vidéo que j'ai regardée. Ça a l'air d'être vraiment sympa. Mr. Coleman, please, just call me Frank. We're colleagues now, after all. Well, okay, Frank. Thanks so much for making time for me on Labor Day. No problem, Meredith. Postal workers always have each other's back. Your dad helped me dozens of times whenever I was in a bit of pickle. Well, I hope I can fill his shoes. He hardly ever missed a day. I'm sure you'll do great. You know what? While we're on route, why don't we deliver some mail in our beautiful little lake town? And show me the ropes? Sure. All right then, get ready to roll. Lake.
retour. Il y a un petit freeze là, non? This lake. It's always more beautiful than I remember it. I don't think I'll ever get tired of driving around it. And there's our first stop. Okay, sir, what's the plan? Delivering mail is like a walk in the park with mailboxes. Take this bag, walk to the mailbox, and insert the mail. Hop, ça c'est la fourgonnette. Allez, on est parti. Allez, jusqu'à la boîte aux lettres. Oula. La caméra est un peu trop sensible à la manette. Je sais pas si on peut régler ça. Comment on peut régler ça? Commande. Ralentir le truc. Voilà, c'est mis comme ça. Tac, retourner à la fourgonnette. Et monter dans la fourgonnette. Nothing too difficult, right? I think I should be able to face the challenge. I bet. Didn't you go to MIT? Yeah. I left here for Massachusetts 20 Donc là, après, normalement, on va devoir livrer un colis. That's really booming right now. C'est vraiment la poste simulator en fait, hein. En fin de compte, passez vos journées à livrer des colis. Donc c'est pas le type de jeu que vous allez passer énormément de temps dessus, mais c'est sympa de découvrir ça la première fois en fait. Donc, tac, sortir. On va aller à l'arrière du camion, c'est ça. On va ouvrir ça. Tac, on prend ça. Je pensais qu'elle l'avait pris. Prendre. Oui. Pourquoi tu me l'as pas pris tout à l'heure? Bon, la sensibilité de la caméra, c'est pas ça. Voilà. Ah, c'est ça, marche à plus vite. Oh. Ok. Oh, bah oui, bah c'est deux colis. Hein. C'est un courrier et un colis. Bookkeeping. I always make a mess of my tax returns. Can't a computer do that for me? Sure, there are programs for that, but you'll still have to put in some work yourself. I was afraid you were going to say that. I'll bug you about it another time. Our next address is right around the corner. There's no place like home. Sure isn't. Can't wait to get home either. The Mets are playing the Giants. Oh, before I get out, what time do I start tomorrow? 7 a.m. sharp. Just check in at the post office. Okay, Frank. See you tomorrow. Adios. Allez, à la porte de la maison. La Floride, on est en Floride, d'accord. Oui, de toute façon, on savait qu'on était aux États-Unis puisque les boîtes aux lettres sont avec le petit truc rouge d'ailleurs. Pourquoi on peut pas le lever quand on pose le courrier? Vraiment, c'est comme ça que les Américains sachent qu'il y a du courrier. Bip.
Mardi 2 septembre. Ready for your first day? Good morning, Frank. Ready to rock. It's a great day to be on the road. I already filled up the mailbag in the truck, so you're good to go. Oh, alors les amis, est-ce qu'on va rouler comme un chauffard ou est-ce qu'on va rouler doucement? Je sais pas. Thanks, I'll probably need that. Bon voyage! Pas faire d'accident, dommage. Pas renverser les. C'est fou. Alors du coup, je vais voir la carte. Non, je veux la carte, s'il te plaît. Ah, merde. RP. Enculé. Voilà. Oula, ça. Général. Main Street, ouais. Attention, j'ai un peu suivi. Tac, ouvrir. Tac, c'est celui-là que je dois prendre. Years ago, back when they called me Nancy Sinatra instead of Nancy Reagan. So now you're back, huh? I know what it's like. Actually, this is only temporary. That's what I said too, a long time ago. I wonder if it's gonna rain today. It's been raining a lot lately. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir cette tournée-là, et si vous êtes au taquet, on va en faire une deuxième le lendemain, du coup. Et après, on va arrêter la vidéo. D'accord? Ça marche. Allez, on fait ça. Hop, on prend là-dedans. Voir la sensibilité du jeu. Ça, c'est un petit point négatif du jeu. Enfin, la sensibilité, en fait. Le jeu est trop sensible. Malheureusement. I remember this is the old Sugarman place, but the envelope says McGill. Must have moved away. C'est quoi ça? Attends. Attends quoi? T'as compris? Thank you.
non, on peut pas klaxonner, c'est nous. Tac, enlève le courrier. En vrai, je pense que le jeu va être répétitif, hein, donc je pense pas que beaucoup de gens vont aimer. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas trop la répétitivité. Mais ouais, en vrai, le jeu est bien répétitif. Après, c'est pas très grave, de toute façon, on savait dès le départ que ça allait être comme ça. Alors, c'est quel? C'est lui là, Colin? Ouais, c'est ça. Oh merde, putain. Du coup, on est là. C'est un colis normalement, il me semble. Tac. Ah, c'est lui. Well, hello there, big cuddly guy. The rose perush. Oui. C'est une nouvelle facteur, c'est pas un nouveau facteur. Je ne suis pas vraiment un facteur, je m'appelle. Well, I'm not a male man exactly. I'm Meredith Weiss. Heavens, I meant no offense. It's just that male woman doesn't sound right, does it, Genevieve? Weiss, of course. You're Emily's girl, aren't you? This is Meryl Weiss, Genevieve. She used to live in town. Years and years ago. 22 years to be exact, but c'est une c'est la fille du coup, il y a 22 ans elle était dans la ville, c'est ça. Du coup, voilà, elle revient. Je crois qu'il me semble que son père était facteur, c'est ça. You do remember me, don't you? Of course. You're the cat lady, and you've got more cats than ever. Yes, I do like cats. La dame des chats. So what if I have j'adore les chats. Slightly more of them than I used to. Like Genevieve here, and Thomas, and Oliver. Anyway, did you have a package for me then? Yes, ma'am. I think it's a toy bear. I mean, it's shaped like one and feels plushy. Someone must think you need another animal in your life. Hmm, bit of a nosy posy, aren't you? I know Frank would never feel up the packages. I apologize. I didn't mean to pry, Miss Jenkins. Hmm. Well, it's probably another gift from my son. Still doing everything to get into my good graces, except actually drop by. I'm sure he means well. He's probably just busy. Hmm. That's what he says. That's probably what you say to poor Emily, too. Anyway, ah, les conversations sont trop longues. Run along, dear. Give Emily my best. Goodbye, Miss Jenkins. Genevieve. Thanks. Je sais pas combien de temps qu'on est avec cette dame. Allez hop, on continue de tourner. Ça lag un peu. Je trouve que le jeu n'est pas assez fluide. Ça lag un peu. Voilà, mais... In a few days, I won't even need that map. Ah d'accord, je vais pas faire. Ah c'est aussi un colissier, ça marche. Allez, ah oh, putain.
Allez, hop, on sort d'ici. 300 Lake Road. Crossing Lake Raid. What on earth did these folks order? Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu commander? Et oh, t'es le facteur, tu devrais même pas savoir. On fout de ce qu'ils ont commandé, oui. Ah, il faut la radio. Attends, c'est lui qu'il faut aller voir? Hi there! I've got some mail for this address. You're not Frank. Luckily, I don't think a mustache would suit me. Haha, real funny. But that doesn't explain why Frank gave you the keys for the goose. The goose? Yes, your white and wobbly van, duh. I'm Lori, I'm Providence Oaks mechanic. And I'm the one who keeps the goose running. Je ne vois pas qu'on va encore passer énormément de temps avec eux. Je sais que c'est important de lire les textes, mais quand ils sont trop longs comme ça, c'est chiant. Voilà. D'accord, c'est promis. All right, I promise. Good. Perfect. Did Frank tell you about the radio? No. It currently only receives the local station. Plus, sometimes it cuts out altogether. If that happens, just give it a big old bang on the dashboard and that should fix it right up. I'm working on it, I promise. Okay. Thanks, Lori. No problem, Miss W. Okay. Allez hop, on y va. Ah putain, c'est vrai, je me trompe souvent sur les touches. Non, on est juste ici, allez. Tac. Un. Attends, si je clique sur A, ça va me faire un voyage rapide. Ok. Je trouve que le jeu il est tranquille. Il est cool. On va finir cette tournée là, on va faire la prochaine tournée. Puis après on va s'arrêter là. En vrai je m'en fous le temps de la vidéo. Pour moi c'est pas ce qu'il y a de dramatique. Le fait que la vidéo soit longue, je m'en fous. Voilà. Ça lag. C'est dingue. Tac. On va aller chercher notre colis. Enfin, le colis de. Du restaurant. C'est un restaurant, ça, il me semble. Eh non, mais. Pourquoi elle l'a pas prise too, Maureen. Oh, don't be like that now. It suits you.
age only makes a person more distinguished, is what I always say. To the mirror. Now come here. Tell me everything. But, Maureen, I do have work to do. I know you're busy, huh? Little Bird told me all about your temporary mail job already. News goes around pretty quickly around here. So, coffee? Something stronger? Oh, Maureen, I will not take no for an answer. Coffee sounds good. Thanks. Two coffee. Coming right up. And one piece of blueberry pie, if I remember correctly. You have one almost every afternoon after school at one point. Oh, you know me too well, Maureen. Always have, always will. Ashley, one blueberry pie. Tarte à la myrtille. Trop bien. Ashley, could you keep an eye on the bar for me for a bit? I'm gonna take my break now. You're a real trooper. Ashley? Oh, sweet Mary, what are you doing? Is everything okay, hon? Oh, Lord have mercy. That didn't sound good. Honestly, first the roof and now this? Oh, that poor kid is like a disaster magnet. I'm sorry, Meredith. Looks like I've got my hands full for a bit. Next time, I want to hear everything, you hear? Don't be a stranger now. Ok. Et du coup, là, il va falloir faire quoi après? Ah, merde, putain, je veux tourner tout le temps le bouton. Ah, merde, je veux tourner tout le bouton. Qu'est-ce qu'il va falloir aller faire? Ok, il en a fait assez grand, je trouve. Peut-être des routes. Ah voilà, il faut aller ici. Ok. Ok, ça marche. Ah mais merde. Attends, je regarde un truc. Ouais, bon, on va aller par là. Attends, si j'avais su, j'aurais pas fait demi-tour en fait. Excusez-moi. Alors, direction la livraison du dernier courrier et la première commande. Ok, bah écoutez, je trouve que ce jeu est super sympa. Je le recommande fortement. Il est sur le Game Pass, donc profitez-en. Alors, c'est sûr, il est moins fluide sur la sur Xbox que ça a l'air sur PC. Mais honnêtement, c'est un très très bon jeu. Il est cool, il est sympa. C'est pas le jeu du siècle, mais bon, voilà. C'est un jeu sympa. C'est un jeu sympa à faire. Donc, pour les joueurs Xbox. Donc je disais, pour les joueurs Xbox, je vous recommande quand même d'essayer un petit coup sur ce jeu. Il est sur le Game Pass. Il est sympathique. Voilà. Là, je suis en train de jouer, je sais même pas où je vais. Oh vache. Parce que ça fait taper une voiture. C'est vraiment un très bon jeu.
Bon bah du coup on fait le tour du lac. Do like. Oh là, il y a un tunnel. Vache qu'on puisse pas klaxonner. Ça va faire un gros bout quoi. Comment est-ce que ça fait de... Si on essaye d'envoyer la voiture dans le... On peut pas. On va pas aller l'envoyer dans la loi. Dans le lac, le truc. Merde. Demi-tour, c'est bon. Ah, ouais. Attends, on peut l'envoyer dans le noir? Ça, ça fait quoi? MDR. Ah oui, vache. Ok, bon bah si vous envoyez votre véhicule dans la Loire. Enfin, dans la Loire. Putain, j'arrête avec la Loire. On est sur un lac. Voilà, vous retournez. Voilà, c'est une petite connerie, tu vois. C'est juste une petite connerie. X. Ah, je savais pas qu'on pouvait klaxonner. Ça fait vraiment passer là-dedans. Oh, right, Bear Creek, near the old lumber. There's a new face. A rare sight for a secluded lumberjack? Yeah, last time I saw a human being was about 6 years ago. I am here to deliver mail, and I come in peace. I'm Meredith. Thank you. I'm Robert. I hope the peace will be everlasting. Let's see what's inside. Oh, what the? Attends, je savais ce qu'il y avait. Doesn't sound good. Crap. That's what it sounds like. Bull crap. Freshly baked bull crap. Un bel étron. Allez, good indeed. I'll be on my way. Bye. Yeah, you too. Bye. And pardon my French. Retourner à la poste. Et bah, c'est ce qu'on va faire. On va retourner à la poste. Eh bah écoutez, donc comme je l'avais dit, on va... Attends, pilotage auto. Du coup, on peut faire un pilotage auto. Ouais, on peut faire un pilotage auto. Ça passe pas. Ouais.
J'espère que ça va pas être trop long. Autant qu'on verra la main, parce que le pilotage auto a l'air d'être dégueulasse. Ça fait quoi si on respecte pas les limitations de vitesse? De toute façon, je sais même pas à combien je vais. Allez! Ah merde, attends, je suis une connerie là. Ok. Donc, ce qu'on va faire, du coup, bah, on va, comme je vous l'ai dit, on va continuer un petit peu le jeu pour cette vidéo. Puis après, on va être bon. Accident. Bon, je sais que je parle pas beaucoup en vidéo, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Oh, ça aurait fait quoi si j'aurais percuté la voiture de flic? Ah, il est là. Non, il est de l'autre côté. Debiteur, Simon. Allez, résidence suisse, mardi soir. Téléphone ce. Outside and drive around. Oh, that's great to hear. Dad says it's strange not having to drive the truck anymore. Oh, bah, en tout cas, si c'est juste ça le travail à la poste. I can imagine that. Sympa, moi. Who is Dad? Can he handle all this? Non, je déconne. En vrai, ça devrait être comme ça. Hop, c'était à la maison. Regardez la télé. Let's see what's on TV tonight. Previously on Bon Appetit. Has anyone seen Henri? Yeah, he's in the kitchen, unpacking the new tableware. Henri! Oui, de la vaisselle qui tombe.
Mercredi 3 septembre, matin. Eh ben, let's go. Attends, tout est déjà dedans. On a 3 colis à livrer. Bon, ben, on va faire cette tournée-là et puis on finira la vidéo sur ça. Voilà. Allons-y, let's go. Beaucoup dans la zone. Oh, j'aurais dû partir par là directement. Hop, on va faire le middle. Waouh! Ah, mais le jeu est trop sensible, ça c'est un gros point négatif, c'est vraiment une sensibilité trop gênante. Quoi. C'est quoi, c'est. Tac. Ça c'est deux courriers, d'accord. The one I delivered next door. I'm guessing party invitations? Tac. Mandala Vatir, it's touch it. On aurait pu au moins renverser le panneau histoire de passer, on s'en fout là. Putain, c'est quoi le colline du coup? C'est dans le magasin ou c'est ici? Main Street. 31 Main Street. Oui, mais je voulais savoir si c'est bien ici, d'accord. T'inquiète pas, on va le prendre le coup. Voilà, c'est ça. Vidéo club, c'est quoi, c'est un magasin de jeu? Vidéo, ah ouais, back. Attends, c'est retour vers le passé? Vers le futur? Non, retour vers le futur. Là, il y a Ghost Hunter ou quelque chose comme ça? Non, Ghostbuster. Quelque chose comme ça, je crois que c'est ça. Oula. On va rester un petit peu dans le magasin. Ça, je connais pas. Là, il y a le Ghostbuster. I used to live someplace else, then I moved here. Touché, Mrs. Eastman. Miss. Allez. So, how's business? It's
It's booming. People in Providence Oaks sure like their movies. Ah, c'est des films. Because there's not much else to do around here. Might as well watch a flick, des petits films. You certainly have a lot of them. Choice is everything. Nothing quite tickles the imagination. C'est que des jeux vidéo, moi. Maybe I should watch more movies. Well, it was nice meeting you, Miss Eastman. Call me Angie. And here, someone just returned this, and it should be right up your alley. The postman always rings twice? A little on the nose, don't you think? Well, I don't know anything else about you, Mrs. Temporary Postal Worker. Miss, but touche, Angie. All right, I'll check it out if I have the time. Take your time. This isn't exactly the most popular flick in the shack. And there's plenty of choice, regardless. Okay, well, it was nice to meet you, Miss Angie. Same here, Miss Meredith. Ah si, qu'est-ce que tu me faisais tout à l'heure là alors? Je me suis pris le truc. Quatre cent deux pincines. Je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais bon. De toute façon, ça va le faire. Ah putain, les dialogues ont été encore longs. Commander Grace, we have established communication with ground control. How do you wish to proceed? Tell them we landed the rocket! Ground control, we have landed the rocket! We will now begin our experiments! Package for the Evans family? Just a minute, Commander Grace. Permission to explore? Permission granted! Permission accordée. Yep, we're the Evans family. Qu'est-ce que... Can I just take that real quick? I'm kind of in the middle of a landing. Sure, here you go. Nice helmet, by the way. Why, thank you. I actually modeled it on the Apollo 11 crew outfit. Hey, Offit? Meredith? Buzz Aldrin? I'm sorry. Who are you? What, for real? You don't recognize your old best friend when you see her? Ta meilleure amie d'enfance. Kay? Great. And now I busted my colander. Woohoo! Was a bad idea. Bon, c'est long. I'm sorry. I didn't recognize you with the colander thing. The helmet. Yeah, clearly. But it seems I'm not the only one who came in disguise. Got me there. You've lived in Providence Oaks all this time? Don't sound so surprised. But yes, I married Barry. Evans. I'm sure you remember our high school star quarterback. Mom! Be right there, Commander Grace! Scanning for alien life forms. That's my little scientist back there. She's crazy about space travel, as you may have guessed. On peut même pas passer like les... doing great. I'm happy for you. Well, dialogues. Obviously a lot can happen in 22 years. So... I guess so. So, I heard you were back in town for a while.
from Maureen. That's right. I ran into her yesterday at the diner. The kitchen caught fire, so your Uncle Stan is gonna have a field day. Nope. It snows diner now. Like I said, a lot of things happened while you were away. Also, I work there now. At the diner. Taking over the family business, eh? Let's compare notes. Yeah, we'll see. Ready for a liftoff! Listen, I'm sorry, but I don't really have time for this right now. Can't get stuck on the moon on my own, and I have to get ready for work. See you around, Em. Among Us. Good to see you, Jay. Wow. Commander Grace, hold up! You'll never guess what I just found. Can say that again. Je n'arrive pas à y croire. Allez, loup! Zou! On peut voler les voitures. On peut pas voler les voitures. On n'est pas dans le GTA, oui. En Poki. Ah non, il faut aller. Pas aller en haut, attention j'aurai la flèche. Faut aller dans la zone là et ensuite il y a un truc à livrer par là. Et ensuite là, c'est tout. Ok, bah ouais, faut aller dans la zone là et après aller là. Je me retrouve là, autant prendre la croix. Ok, c'est bon. On va faire le colis en bas là. Allez. Oui, je sais, je suis un fou. J'espère que vous êtes toujours là. Attendez. Si vous êtes toujours là, ça m'arrange. Ouais, c'est bon. J'ai tellement peur que le truc se coupe d'un coup et qu'au final, je suis en train de jouer pour rien. Enfin, je suis en train de jouer sans filmer. Allez. Donc on met ici, il faut aller par là pour aller livrer ici. Oui, je suis un fou, je klaxonne comme un fou. Tac.
Ouais, par contre, c'est lequel? Oh, ça bug des fois. If you could just accept the parcel and let me be on my way. Is that a parcel for me? Yes, sir. Oregon Trail Motel. You can just put it on the counter. C'est ça, laisse-le jouer à ses jeux. Petit con. Merde. Hé hé. Respecte pas le code, s'en fout du code. On est pas dans la réalité, on est dans un jeu. Donc on s'en fout du code. Ok. Alors je finis cette tournée là. De toute façon, maintenant il y aura plus que du courrier à récupérer. J'espère qu'il y aura pas de dialogue à faire. Que s'il y a un dialogue, ça va prendre énormément de temps. Tac. Pas quoi dire en fait. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. J'ai foncé sur les flics, ça n'a rien fait. Mais bougez les gars là. Non. Encore heureux que ça va un peu. Bref. J'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu déjà d'une. Ce que vous pensez aussi de Townscaper, que je vous ai présenté au début de la vidéo. Hop, alors on va faire du comme ça. Peut-être faire un peu. Oh non, j'ai un dialogue, putain. Oh, it's quite the emergency. What's wrong, Miss Jenkins? It's poor little Mortimer. He's fallen ill, I think. One minute he was full of life. The next he, well, I mean, I'm not a vet, but he looks fine to me. Well, fact is, you're not a vet.
R.U.D. You know who knows about animals, though? Is Mr. Mackey. He runs the old bait shop by the lake. Could you take Mortimer to him? Sure, I'll get right on it. Here, little kitty, come on. Wonderful. Be nice to Meredith, Mortimer. Don't she have too much hair in her van now. Ne laisse pas trop de poils. Bah oui, mais ils y pourront bien, les chats. Perdre des poils, ils y peuvent rien, c'est leur nature. Non, mais n'importe quoi. Alors. Par contre, j'espère que c'est pas à l'autre bout. C'est là. C'est quoi là? Attends, faut l'emmener ici. Ok, ça marche. Un autre. Ouais, bon. D'abord, je vais faire le courrier. Et après, j'emmène la petite. Le petit chat. Je crois que la vidéo a duré une heure. Quoi? Dis-moi pas qu'on est obligé d'emmener le chat d'abord. Merde. Tic-tac boom. Tac, on fait ce courrier, après on emmène le minou. Puis après on va s'arrêter là, je sais pas ce qui va se passer après. J'espère qu'il va pas falloir le ramener hein, parce que là. Hey, bon. Mom and Dad have new neighbors. They ever mentioned them. Allez. Go emmener le minou. Et par contre, s'il va falloir ramener, je termine la vidéo maintenant. Je l'emmènerai pas avec vous. Au moins, il faut au moins que ça se termine. Oublié de prendre le minou, imbécile, parce que sinon je perds du temps. Et ça bug, prends-moi le truc, hein. Con quoi.
Ah, ça fait quoi si je tombe à l'eau? On le fera au retour. Mr. Mackey, I know you're close, but... What? I'm Meredith Weiss. Yeah, Meredith Weiss. Thomas' kid. I remember you running around the lake when you were yay high, getting into all sorts of trouble. What can I do you for? Mildred Jenkins tells me you know a lot about animals, and, well... Oh, hi there, little fellow. What's your name? Apparently it's Mortimer. Pleased to meet you, Mort. He's a little sluggish. Has Millie been feeding him cupcakes again? Cupcakes? I hope not. Leave him with me. I'll put him on a diet today. Maybe even catch him a fish if they're right. With any luck, he should be up and running in the morning. Sounds good. Sure thing. Goodbye, Miss Weiss. Okay. Bye, Mr. Mackey. Allez, bon les gens, c'est fini pour la vidéo. Tac, je retournais à la poste pour bien sauvegarder le truc. Oh, il y a des poids Sky. Bon, on peut pas courir plus que ça, c'est dommage. Allez, on retourne à la poste et on s'arrêtera là pour la vidéo. Et merde, je viens de faire une connerie. Ok, bon bah écoutez les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je lui attribue une note de 14 sur 20 au jeu. 13 plutôt, parce que en vrai le jeu est un beau concept. Il est tranquille, il est relaxant, il est cool. Il y a des défauts malheureusement, comme des fois ça bug au niveau de la prise des colis ou voilà, ça lag de temps en temps aussi souvent, mais j'ai trop mal. Donc voilà. Donc là, je vais rejoindre la poste, je vais sauvegarder, et puis après, on va s'arrêter. Voilà. Fin de journée. Normalement, c'est sauvegardé. Allez, hop. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye.